Alors la première éolienne qui va être mise à la mer donc d'ici 3 semaines, c'est un prototype, c'est un démonstrateur, c'est un symbole de l'excellence française puisque c'est une start-up française qui l'a développée. Et en fait c'est une technologie qui est la technologie de l'éolien flottant. Et par ailleurs on a d'autres projets qui portent sur une autre technologie qui est le posé et dont on attend impatiemment la sortie des premiers parcs au large des côtes françaises. Le vent en mer est beaucoup plus fort, beaucoup plus régulier. Donc en fait, ça permet d'avoir des parcs qui produisent un volume d'électricité beaucoup plus important. Typiquement, pour vous donner un exemple, en France, la moyenne de taille des turbines, de puissance des turbines, c'est un peu plus de 2 MW. Là où en mer, on va avoir des éoliennes qui vont faire 6-8 MW.